Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Je vous propose aujourd'hui un gommage fait maison à base de 4 ingrédients, de l'œuf, du curcuma, du sucre brun et du lait. 2 cuillerées de curcuma, 3 cuillerées de sucre brun, le jaune d'œuf, 2 cuillerées de lait. On mélange tout ça, on obtient une consistance pas trop liquide, pas trop solide, juste ce qu'il faut, puis on l'applique sur la partie du corps qu'on a envie de gommer. Ça fait des miracles. Ça enlève toutes les peaux mortes. J'ai découvert ce petit gommage fait maison quand j'ai voyagé au Togo pour mon mariage. C'est ma tante qui m'a filé la recette et ça fait de vrais miracles. Je l'applique une fois par semaine pour enlever toutes les peaux mortes de mon corps. Après, c'est un gommage qui est fait à base d'ingrédients naturels. Donc, je suppose que même utilisé tous les 2 ou 3 jours, ça ne ferait pas de mal. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Il faudra un pinceau, voilà, et vous l'appliquez comme ça sur votre visage. C'est bon pour la peau. T'as resté comme ça? T'es comme marocain, maman. T'es comme marocain. Je suis comme marocain? Oui. Comment ça, je suis comme marocain? Bébé requin. Tu es comme un bébé requin? Oui. D'accord. C'est vrai que ça, je suis comme un bébé requin? C'est comme un squelette. Ça, c'est comme un squelette. Oui. Comment ça, je suis comme un squelette? Ça, c'est mon bébé. Oui, chaud, oui, chaud. Ça, c'est des dos comme oui, chaud, oui, chaud. Ça, c'est des dos comme oui, chaud, oui, chaud. Après l'application, je vais attendre 15 minutes et ensuite je vais me rincer le visage à l'eau tiède, mettre ma crème, mon huile, mon sérum et je vous montre le résultat. 15 minutes après, j'ai lavé mon visage, j'ai mis un peu d'huile d'argan et voilà le résultat. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Prenez soin de vous parce qu'en prenant soin de vous, vous prenez soin des autres et peace out.